ses origines jusqu'à aujourd'hui. Alors je vais en profiter, je vais saluer, j'ai plusieurs collègues maires qui se sont gentiment déplacés et qui sont là, Pascal Biron, Jean Goël, Xavier Ferreira de Charny, que j'ai vu. J'en ai oublié d'autres ou pas? Voilà. Il y en a, ou leurs représentants, parce qu'il y en a qui devaient envoyer quelqu'un, des villes comme Thieu, qui sont bien représentés dans l'exposition, vous verrez tout à l'heure. Voilà. Donc je vais commencer par remercier donc, les associations qui nous ont permis de réussir cette magnifique exposition. Donc il y a la jeunesse préhistorique et géologique de France. Alors vous verrez dans cette exposition à peu près 200 objets, un peu plus de 200 objets qui sont issus des fouilles qui sont, ont été réalisées sur les communes de notre secteur. Beaucoup sur Thieu, Compans, Autis, Tremblay en France, Roissy, et puis bien sûr il y en a de Saint-Pathus et puis d'autres communes, je ne les ai pas toutes. Vos enfants viendront, pour ceux qui ont des enfants scolarisés avec les écoles, viendront dans la semaine. Il y a tout un partenariat qui a été organisé. Et puis je suis assez content parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on l'organise dans une situation pas très confortable. Je pense que l'année prochaine, on sera dans un lieu. La prochaine exposition qui sera dédiée à ça, qui est le pôle culturel que nous sommes en train de construire, que nous allons finir cette année, et qui est en partie dédiée donc au spectacle, à la musique, etc., mais qui a aussi une partie avec une salle qui est dédiée et qui est prévue pour les expositions. Donc, il y aura toujours l'exposition annuelle municipale. Alors, vous avez quoi travaillé?